Salam alaikum ami internet yeen ñi di ñu faral di ñu suivre sur notre chaîne YouTube ak ci Facebook bi. Alors tay Vision Bao également amat benen numéro numéro spécial, une fois n'est pas coutume, bu ngeen ñu gisé fi ñu ngi ci Mbao Park, le stade mythique de Mbao. Alors ñu fassiyene dalal le président ASC Diapo 2, ñu koy waxé plus communément appelé ASC Ndoyine. Man nañu wax né c'est l'ASC la plus populaire de Mbao. Alors tay ñu jakarol ak président bi di Pape Gueye, donc muy président ASC Ndoyine. Ñu fassiyene waxtan lepp li nga xamanteni wa Ndoyine ñu ngi koy dund, té surtout manam ci walu sportivité, en plus aussi sen gox lan nañuy dundé en dehors nawétan wa Ndoyine. Donc fi tay ci Estade Mbao ñu dalal président Pape Gueye. Pape Gueye na nga def? Ma ngi fi sa wa Papis, ma ngi leen di nuyu di leen ziar, vraiment di rafetlu émission bi, di rafetlu vraiment émission bi. Je crois que contenu bi vraiment amna solo. Je pense que mbekté le vraiment tay pour participer si quoi. Alors buñu internet yi buñu bëggé xam kan moy Pape Gueye. Quel est Pape Gueye exactement? Waouh, bon, Pape Gueye, bon, c'est un jeune, vraiment comme tout autre jeune, vraiment soucieux vraiment du développement de sa localité. Nous tolluwone moment bo xamanteni dañu formé won bi ñuy football dans notre quartier, am ay grands yu fi nekkon di ñu tété buñ toll ni ñu toll. Donc je crois que tay jaaduna buñ tolloon ni ñu wara mëna jël relève bi quoi. Je crois que continuer leur œuvre yi xamanteni ñom ñoko fi defoon, c'est juste ça. Man ci lancer bobu dal la nek. Waaw, légui ñu xamul ASC Ndoyine géographiquement fan lañ ko mëna situer? Waaw, ASC Ndoyine mom mo nek genre ça fait partie des quartiers yi nek ci littoral bi quoi. Okay. En général on peut dire que c'est un quartier qui était composé la plupart de pêcheurs. Nous sommes ici au Guedj bi quoi. Voilà, bu mako don situé géographiquement non la koy def ñun dal ak Guedj bi dal. Machallah, c'est une histoire d'amour. C'est une histoire d'amour. Voilà. Exactement. Alors football tamit di sen passion surtout. Waaw. Alors tayi ASC Ndoyine tok na 2 ans bokul ci nawetani. Ren mi ngi ñew ren fassiyene bok effectivement, mais dafa gul sax sorti effectivement. Donc voilà, donc passion bi encore. Mais d'abord Pape Gueye, est-ce que jour la won sax ci ASC bi d'abord? Waaw waaw waaw, exactement, parce que mom la la wax legui ni, parce que amna fuñ doon tollu dañ ñu formé won, parce que j'étais joueur donon fi aussi capitaine cadet vraiment ay 2005 2006 yoyu. Waaw, football nañ cadet vraiment. Mais gagné wo dara dal? Gagné wo dara? Non, si cadet mom gagné wo, parce que je crois une ben année lañ def cadet. Après ñu surclassé mo quoi, xam nga talent bi machallah par modestie hein mu ngi fi won. OK. Bon gay tellement bolé ci mag ñi, mais sante yalla bima né ci mag ñi dal. Waaw, jël nañ trophée, bien vrai que on l'a fait tardivement. Waaw, mais sante yalla ay 2011 yoy non yeb vraiment jël nañ 3 à 4 trophées yo xamanteni c'est à notre actif. OK. Pape Gueye, président de l'ASC Ndoyine. Président quand il n'est que président ASC Ndoyine. Bon, Rena, c'est moi j'ai été tout le temps vice-président. Vice-président. Union Sénécon, parce que aussi tout le temps dañuy apporter une contribution rek. Tout à fait. Parce qu'en général dañ nan président président, mais Ndoyine aussi ku fi mënti nek rek tu es président, parce que les gens ils ne veulent pas te laisser seul. OK. Parce que moi comme li nga wax légui ni rek ambiance bangi fi, c'est un mouvement d'ensemble, popularité bangi fi. Donc je pense que ku fi nek rek bon war nga meuna doxal, parce que vous avez toute une équipe derrière. Je crois que vraiment okay. j'ai fait avec Baye Modou Ndaw que je salue au passage, avec Ibra que je salue aussi au passage. Ñom ils ont beaucoup contribué hein, et puis j'ai aussi beaucoup appris d'eux. Motax ren mom en général biñ ñëwé ñu né pourquoi pas mu apporter ma contribution, parce que lu Ndoyine yag soxla la vraiment à chaque fois mané non je peux pas être devant compte tenu de mes activités. Wow, de mes activités professionnelles. Okay. Bon musumako won beugou quoi franchement. Okay. Franchement, mais bon comme ren mom non la démé mané dal na si foncé rek, parce que okay. aussi
kay jité ñu dal mo gëna neex dégg tay ma jité lé tay ma jité lé wa je crois que lool la après bon dañ fiy def à un moment donné rek apporter suñu contribution tout à fait après je vais céder la place ñeneen ñëwaat c'est ça c'est ça rek lo quoi alors Pape Gueye fait la politique faire la politique ouais, parce que liñuy def politique là hein, mais boudé politique comme on l'entend comme les personnes le font non defuma politique mais néanmoins je vais participer au développement de mon quartier de ma localité c'est tout je crois que lolu aussi c'est de la politique OK voilà alors présence bi ni ngi ko jélé est-ce que c'est difficile wala Non, pas tellement. Moi, je vais vous dire parce que nous avons besoin de ce qu'on a. Parce que nous avons vraiment un parcours de l'équipe en tant que joueur, en tant que dirigeant aussi. Bon, je crois que c'était le moment idéal aussi pour nous dire. Parce que si vous êtes joueur, vous savez la réalité de l'équipe, vous savez la réalité du quartier. Bon, je crois pas d'une difficile pour diriger, apporter votre pierre à l'édifice. Quoi, c'est quoi. Voilà, donc pour être présent à AS Ndoyen, il faut gagner un million parce que déjà, hein, c'est une grande AS, ça draine des milliers de supporters. Mais alors, il y a rien qu'il y a pour collecter ces fonds, ces budgets pour tout. Non, raison, moi, je dire le contraire de ce que vous avez dit. Moi, nous avons cet avantage-là. Tu n'as pas besoin d'être millionnaire ou am khalis pour diriger l'équipe. Comme je vous l'ai dit tantôt, moi, ce que je veux dire, la popularité est très forte. Donc, si on est de ce côté, si on apporte ta contribution, je crois que l'affaire est yom. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle Rennes, je crois que l'ing départé, Nawetane, nous sommes départés. Wow, parce que vraiment, qu'on n'est que sentir nos bopam. Vraiment, demain, profite aussi occasion de rendre un hommage à nos frères qui sont à l'étranger, précisément, wow, en Espagne, en Italie et tout. Hein. Je pense à Iliman, à Idesen, à Morgueil, à qui, comment dirais-je, en tout cas Koulim Djoun, mais vraiment ils nous ont apporté beaucoup, vraiment du point de vue financier, parce qu'ils apportent leur contribution. Aussi à cela s'ajoute aussi le maire aussi, à travers la subvention aussi, qu'on remercie au passage, vraiment j'ai l'air de 300 000. Bo xamanteni prédécesseur moko fi bayyi aussi mom tam monsieur le maire Ablaye Pouy ñu remercier ko au passage le maire actuel élevé nako à 500 000 francs donc lolu aussi ça nous a beaucoup aidé waaw pour faire face aux dépenses parce que quoi qu'on puisse dire dépenses Nawetane mom kenn mënu ko dajalé metti na trop donc bo amul équipe bo xamanteni ils sont prêts à mettre le paquet donc je crois que du dem et je crois que heureusement Ndoyen mom vraiment xam nga niñ bëggé Nawetane ak niñ bëggé sen koñ vraiment ko ci nek indi nga ci ce contribution machallah mais alors jour ñi nan ngeen def pour décrocher jour da ngeen di acheter on da ngeen wax na Ndoyen mom parce que en notre temps ñun parce que bo xolé Ndoyen la popularité on n'avait pas besoin genn ci biti di recruter un joueur waaw parce que vraiment talent baangi fu won waaw talent baangi fu won et d'ailleurs c'est le moment de le préciser ñi doon composé équipe bobu tay ñom ño fi nek ci staff bi waaw je pense à Pa Moussé à Amagor Khagn vraiment ñom ñoñu doonon ay leader ci équipe bi tay ñom ño ñew doon en tant que dirigeant pour jëme rendre la monnaie de la pièce donc affaire bi c'est tout à fait facile hein, c'est pas trop compliqué avec les joueurs là vraiment ligue Nawetane dafa évoluer donc on l'accepte quoi parce que ñun liñ amone daw wala dirigeant liñ amone les années passées donc à moment bi ñun dañ fi ñew moment bu difficile parce que moment bu difficile bi moy légui joueur yi dañuy laaj ay 200 000 ay 100 000 affaire yoy nonu tu es obligé xam nga de les satisfaire xam nga si tu les satisfais pas ils vont aller voir ailleurs quoi donc réalité bobu mo fi nek té yalla def na ren mom bon moy lima la wax rek grâce à la contribution de nos frères qui sont à l'étranger ak la contribution du maire la subvention du maire bon avec les cotisations qu'on a eu à faire vraiment waxtan nañu ak ñom vraiment ba ñu ñew adhérer suñu projet quoi ça n'a pas été peut-être tout difficile parce que amnañ ay jours sax yu jégué yeen ha waaw amnañ jours yu joué fi yo xamanteni yeen lay jogué parce que aussi Ndoyen comme li nga popularité bi aussi atul ci ñun
Parce que yeneen joueurs yi dañuy am envie football ndoyen parce que tu es en sécurité, ambiance nawetane aussi dañ koy dundou à travers les supporters. Donc lolou tam dafa baax ci joueur parce que ça ne sert à rien nga dem ci ben équipe ñu fay le 300 000 ba paré wala 400 000 wala 200 000 bon nga dem amul ambiance do dundou nawetane lolou aussi quelque part aussi bon de mon point de vue qui wul dal je pense. OK ci wala ambiance bi sax bon ñu dem ci supporters yi waaw c'est vrai bon da ngeen constituer comme toutes les autres AIC madame un président de supporters mais parlons d'abord de la section féminine, est-ce que ça existe au niveau de Nyoné? Waaw section féminine bi existe na parce que je crois que war ngeen ko xam sax te min ko mada aussi mada puis bon, elle est de doyen. Vraiment, c'est quelqu'un vraiment de très dynamique. Vraiment, il y a un groupe WhatsApp, ça, pour le comité directeur. Bon, mon Sibir. Il y a aussi les Maïndaoupoui, vraiment les Debo. Vraiment, ouais, elles sont très actives, vraiment. Ah, donc, quand nous avons première rencontre, ils vont mettre le feu non, en bas au parc, c'est sûr. C'est sûr, comme on avait l'habitude de le faire, vraiment. Mais les supporters, surtout encore. Wow. Est-ce que bon, vous avez dit que vous avez un président des supporters, vous avez orienté, vous avez dit que ces groupes WhatsApp. Maintenant, les gens communiquent à travers ça, c'est vrai. Les groupes WhatsApp. Parce que, c'est très important. Et d'ailleurs, je voulais remercier cette tribune qui m'a offert pratiquement pour nous voir sur. Parce que, gars, en général, ils pensent que les habitants de Ndoyen sont violents, alors que non. Parce que, si vous avez 2 ans, il y a beaucoup de choses. C'était juste pour ça, le fait de prendre du recul. Parce que, comme dernière fois, bien qualifié finale, il y a eu le football. Parce qu'il y a eu un incident, il y a eu une affaire et tout. Nous mettons tous les gens. Alors que le match du football, il y a eu une demi-finale. Il y a eu une jam. Mais il y a aussi des notes que nous avons maintenues aussi. Ça a été très difficile aussi. Mais nous sommes là, pourquoi pas nous faire une introspection, croiser les bras, faire beaucoup de navettes. Parce que aussi quoi qu'on puisse dire tay buñuy dem nawétane aussi kenn du am jamm, c'est-à-dire gaay dañuy xalat avec la gendarmerie ak xex yex violence bi et tout, lolu aussi c'est une réalité qui est là. Ñu né won nak il faut ñu def ben pause, def ben break, comme ça waxtanat suñu biir organiser wu wat waxtanat supporter yi à tel point que dinañ jema aussi buñuy jogat ñu jogat dans la sportivité, dans le fair play. Bon, c'était jusqu'à bon, les 2 années sabbatiques qui ont participé. C'était du Asala. On avait profité de l'occasion pour binde. Il y avait aussi l'effet du Covid aussi. On avait profité de l'occasion pour binde wa Odeka, pour voir les gens beaucoup, pour X raisons. Mais après, bon, eux, ils n'ont pas compris. Après, par la suite, zone B, ils ont fait des sanctions financières difficiles. Ah oui. Vraiment, c'est un peu corsé. Bon, mais néanmoins, il n'y a pas de problème. Après, de toute façon, on va essayer de se parler pour voir comment on va amoindrir la chose. Quoi. Okay. Mais c'était pour ça, pour nous parler de notre. D'ailleurs, il y a un groupe WhatsApp qui a été président supporter qui a animé. Nous avons un groupe WhatsApp de presque 100 personnes. Vraiment, man dama leen di déglu parce que bolé nañ ma ci biir mais ni ñi waxé vraiment wofu deug yalla amuñu ben intention reine pour semer la violence wala pour quelque chose mais aussi vraiment waxtam aussi du ñak ñu gëna wax ñu gëna sensibiliser mais tout le temps buma la ubbi lon sama téléphone légui nga déglu len di nga xamné ñi ay nitu jamm lañ vraiment ño xamanteni dañuy dund nawétane lañ des fois nawétane nak des fois quelques débordements dina am mais néanmoins ça fait pas de l'AIC bon une AIC violente wala quelque chose. Alors AIC Ndoyen mba amna terrain bopam fou ngi entraîné wu waaw amnañ ci terrain bop mais malheureusement le seul X c'est que c'est pas adapté au terrain de compétition. OK parce que kuñu xam ma ngi lay wax légui ni ñun suñu ci côté geej lañ nek nous nous entraînons sur un terrain sablonneux xam nga ay souf kessel d'ailleurs buñ fay football sax buñ fay entraîner sax tanku neen lañ fay entraîner mais bon comme on dit hein, on l'a hérité ça de nos aînés ñun autant fa lañ dan entraîner suñu ancien fa lañ dan entraîner donc ba am téréwu leen ni jël ay trophées ni ñuy def ni rek non lañuy def buñ fa entraîner ba taxaw de temps en temps ñu dem Zagba am fa match amical ñew Estade am fa match amical wala dem Keur Mbaye Fall am fa match amical c'est juste ça mais suñu terrain bop mom franchement pour dire non, amuñu terrain. Non, amuñu terrain vraiment ça. Infrastructure, ça pose problème. Ouais, ça pose problème. OK. Ouais. Alors président à part le sport lan nga initié au niveau de Ndoyen
pour que vraiment nous nous regroupions aussi autour de cette question. Bon, voilà. Parce qu'en général, les activités de Ndoyen extra sportives, en général, c'est pas médiatisé en général. Oui. Mais bon, je n'étais pas le président, mais comme je l'ai dit, j'étais vice-président. Oui. Autant organiser une fille, il y a au temps de De Gaulle aussi, mon ancien président que je salue au passage, Mamadou Seck, que je salue au passage, mon il a été président, organisé une activité de Sersetal, course de pirogue, vraiment, vraiment, même sous l'ère de Ibra aussi, organisé une fille Sersetal. En plus aussi, bi Covid bi ñëwé, on est allé voir tout le monde. Pour connaître le meilleur, parce que les masques, si vous vous rappelez, c'était difficile. On a su confectionner des masques artisanaux, ils ont créé des masques rouge blanc juste pour distribuer ce coin. Je crois que ce qui est le plus, je crois que si vous avez une page AIC Diapo 2, vous avez une photo. Je crois que c'est ce qui est initié, hormis les navettes et tout. Et en plus de cela, pendant les moments de fête comme Tamharit, oui. Vraiment, nous avons participé si Djakji. J'ai une contribution. Ça fait 3 ans, je crois, nous avons fait pour appuyer nos grands-pères, pour faciliter l'achat de bœufs. Quoi. Au moins, peut-être AIC, vous faites contribuer à hauteur de 500 000 ou 1 million, par exemple. Vous faites narbi, nous avons à 5 000, compte tenu de la contribution de l'AIC, nous avons à 200 000, à 3 000 francs, à 2 000 francs. Nous avons eu une activité extra, nous avons eu à le faire. Et à l'avenir aussi, on a cette ambition-là aussi. Comme nous avons contribué, nous avons eu aussi, nous avons eu jëndé ay nak yo xamanteni, c'est vrai que c'est un peu difficile, mais ndoyen buñ constitué, je crois que lolu vraiment du nek lu difficile suñu, voilà, du nek lu difficile aussi. On s'est organisé il y a un an, même pas un an, organisé Sersetal out ay lampadaire avec l'appui de Tafa, oui. Tafa Boupelgue, Mustapha Seck, oui. Voilà, vraiment qui nous a beaucoup, oui, aidé aussi. Nous def implanté ay lampadaire au niveau de Ndoyen Kaw. Lolu je crois que jeune aussi ci quartier yoy lañ koy doyé ay Sersetal implantation de lampadaire, parce qu'on ne peut pas tout attendre de l'État. Xam nga mënu ñu xaar lepp aussi, c'est la mairie aussi. Tout à fait. Xam amna yo xamanteni c'est le minimum, parce que ki nexa jappalé moy ki nek ci yoon. Xam nga, parce que tay yoyu tay maire bi bu ko gisé ñukoy def, je pense que dana facile pour mu aider ñu. Nous avons d'autres partenaires aussi qui nous aident aussi. Je pense à Malik Sarr aussi qui nous a beaucoup appuyé, oui, aussi, oui, que je remercie au passage. Okay. Tafa Seck, il y a Papouy aussi, vraiment Papouy Ousseynou Pouy, que je salue au passage, mon aussi, yalla yalla defal ko jam, un jeune vraiment très dynamique, vraiment qui a beaucoup contribué dans le sport de Mbao. Ouais, vraiment, je le vois aussi tantôt m'apporter contribution dans le basket au niveau de Zak Mbao. Oui. Donc koku tam ku ñu wara ñaanal la en ces pareilles circonstances, quoi. Ñu koy ñaanal bu baax. Alors Pape Guèye, ndax wa ndoy ni ngi dundou inondation yi? Dañ koy dundou inondation yi, wa ñu koy dundou. Xam nga ñun nous sommes à côté du Marigo. Oui. Waaw, te Marigo bi vraiment daf ñu sonal, xam nga tout ce qui, xam nga ndoyen dafa yaatu, yaang koy wax légui ni, parce que tay bo jëlé ba gox bi, gox ba bi ngay dégg ci ndoyen la bok, xam nga ça ya 3 ans 4 ans je crois lañ formé wu, mais ñom ñep ils sont de ndoyen. Bo jëlé ndoyen Kaw, ñom c'est de ndoyen. Bo démé ba Taliba, djéggi Taliba côté lycée ba à votre gauche, ñoy ñep c'est des habitants de ndoyen, parce que ndoyen lañ joggé après ñeu taxu fé. Donc Marigo bi ñi nek ci côté Marigo bi ñom ñep vraiment, parce que ndox yi joggé Kër Massar ci Marigo bi lay déversé. Donc Marigo bi bu débordé rek de len di lal. Donc je pense, je profite de cette occasion là pour lancer un appel au maire. Bon, lu mu ci mëna japp rek ci excavation yi, parce que aussi quoi qu'on puisse dire, Marigo bi source de revenus la. Buñ ko exploiter niñ ko wara exploiter, je crois que ay nit dinañ fa wara mëna nek. Surtout que Ndoyen, c'est des pêcheurs qui habitent là-bas la plupart. Donc war nañ fa mëna gis sen bop, parce que damay gis des fois ay nit yu yëge Kër Mbaye Fall di ñëw di nappi ci Marigo. Donc pour vous dire que mën nañ fa sutur lo dal. Waaw, donc dañuy lancer un appel au maire. Lu mu ci mëna dimbali rek mu dimbali ñu ci, et plus haut aussi les ministères concernés ñu andi ci leur contribution et leur expertise. OK. Ouais. Et Pape Guèye, au niveau de Ndoyen, ba amul
il n'y a pas d'école là-bas, à cobiter école bi mudundu quelque chose comme ça, voilà. Bon, en parlant d'école sax, parce que dama ko faté won si les autres activités que ndoyen yu mu bëgg mëné, parce que ñi ngi wax légui ni football bi, après ñi ngi wax tant d'autres choses, mais aussi nous voulons initier aussi des choses yo xamanteni comme des cours de vacances. Tout à fait. Pendant les vacances aussi bëgg nañ apporter, parce que c'était un projet qui était là, mais jusqu'à pour mettre en œuvre xawna difficile, mais je pense que année bi ñeu inshallah dinañ ko matérialiser, parce que avec l'appui de Aliou Pouy et de Madame Dien, je crois, ils sont prêts à nous octroyer leur école. D'accord. Pour qu'on puisse dispenser des cours. Voilà, voilà. Bon, Nyakoufi quoi, vraiment on a ce projet là. On a même aussi des projets aussi de dons de sang et autres, parce que aussi ASC du football rek, comme que du football rek, du nawetan rek. En tout cas, nous voulons apporter une autre vision, waouh, de l'ASC, redorer entre autres aussi le blason de l'ASC, de l'ASC Ndoyen, parce que vraiment c'est li ñi wax rek moy, c'est pas une ASC méchante, c'est pas une ASC violente, contrairement à ce que disent les gens. Voilà, Pape Gueye, parlons du maire, l'actuel maire, Abdou Karim Sall, qui est là depuis le mois de mars. Ouais. Alors, nan nga gissé politique tay ji? Politique au niveau politique au maire de Mbao, nan nga ko gissé au niveau de Mbao? Waaw, lolu mom bo vraiment duma ci sori non trop, parce que aussi je crois que il est à peine nommé, je crois que defagul 1 an. Waaw, mais bon, enfin, je crois defagul 1 an. À part les subventions, c'est vrai, dans le sport. Waaw, je crois il est en train de poser des actes. Aussi également. Il est en train de poser des actes, comme je crois que la pénétrante de Mbao. Je crois que moung koy défar, mais je crois que bu ko mené diligenté dal, ñu jël. Et la route aussi qui mène vers les Maliens. Je crois que buñu ko mené diligentel aussi, bobu aussi ça serait mieux, parce que instant yi mbaw pour dugg fi c'est tout à fait difficile, xam nga, parce que fay rek nga mëna duggé keur Mbaye Fall, je crois tali karo bobu rek nga mëna duggé, hormis cela petit mbaw te petit mbaw bu tawé day ta. Je crois que ñu ngi koy xaar, mais comme 1 an la def, bon, on peut pas juger un tableau à moitié peint. C'est ça. Donc on peut-être le jugera au terme de son bilan. Mais je crois qu'il a des ambitions. Je crois que dans ses discours, moi, je m'en déglou. Il a des ambitions et on est en train de voir. Oui. Voilà, c'est ça. Comme par exemple, le maire Ibisah, nous sommes touch pour défaratko. C'est ça. Aussi, il y a quoi que au niveau de Ndoyen aussi, il y a un projet de pavage. Qui est en cours. Okay, je crois que je crois que yoy nonu yeb peut-être d'ici les 5 ans ça va se réaliser. Ah, on l'espère quoi, en tout cas. Et également aussi Khaindawi dans la forêt classée aussi. Voilà, c'est ça. Khaindawi dans la forêt. Il y a beaucoup de jeunes yo xamanteni suñu frère ñu ngi fofu aussi dans la forêt di dans sen dolé grâce à lui. Donc lolu rep dañ koy rafetlu bu baakha baakha baax. Motax aussi c'est le lieu aussi de prier pour les responsables qui sont là, parce que moi je vois pas le pourquoi gars, des fois buñ démonstrer nit wala buñ ko limoger gars de jubiler les gars d'en face, vraiment lolu rafetlu mako et c'est l'occasion ma ñaawlu ko, parce que aussi politique aussi dafa wara sen te aussi ñom ñi fi nekk responsable ñi ma cité tantôt ñom ñep li leen animer moy mbaw, que ce soit Papouy, que ce soit Ablaye Pouy, que ce soit monsieur le maire Abdou Karim, parce que ku ci amit aussi lu mu new di nga jël deux personnes yo xamanteni c'est de mbaw, que ce soit Malik aussi di nga jël deux tataay boy organiser manifestation wala activité sa xel ñom lay ñëk xalat pour bind leen lettre, donc c'est des partenaires, donc luñu gëna bari ñu gëna jël responsable au niveau de Mbao, luñu gëna bari ñu gëna jël, parce que da no permettre tay boy organiser activité wala du point de vue structure infrastructure daf ñuy gëna yomb, donc lu mu gëna bari dal ñu don avantage ci localité bi, donc c'est le lieu aussi lancer un appel à tous les jeunes, à tous les Mbaois, ñu def la politique sainement pour le au bénéfice de tout Mbao, de toute la localité quoi, je veux dire, c'est ça. Alors Pape Gueye, si vous avez un cri de cœur, un cri de cœur bi ngay lancer dans la commune ou bien oui et dans votre localité, lan ngay wax exactement? Ouais, c'est ce que je viens de dire, cri du cœur bi lol la, parce que des fois da ngay gis, je me répète rek, da ngay gis des fois ñu dakh nit au niveau étatique wala au niveau municipal nit ki daanu xam nga gaay diko ñaawal diko caricaturer dans les médias xam nga, alors que lolu waruñu quoi, parce que ki fi nek aussi il est là pour bien faire, c'est juste ça, pour bien faire,
parce que lumuy jël yobou ko ci kërëm yobou ko ki au contraire ay nit la koy jox parce que tay ku nek ci place rek dañ la fa yobou xam nga donc on a besoin de ces bras là xam nga pour l'émergence de Mbao parce que Mbao mënul dem sans pour autant am ay ministre sans pour autant am ay responsable parce que tay buñ amé ben député bu nek à l'assemblée ku dëkk Mbao c'est un avantage pour Mbao bien vrai que sa mission c'est national mais Mbao lay xéxal mbokhu Mbao lay tuddu xam buñ amé ben maire qui est là bu di représenter au niveau de Dakar la commune de Mbao Mbao lay waxal du waxal benen deuk donc war nañ mëna gëna jappanté dal wara gëna apporter notre contribution positive pour les responsables qui sont là ñu mëna porter haut le combat quoi parce que ñun suñu bat yegul fenn fi ñom la sen bat yegg fenn fi quoi ñom lako yalla défal donc dañ leen koy nangul rek donc buñ fi nekké au moins ñom ñu mëna def sen ki parce que après li ñi wax nan les institutions restent c'est les personnes c'est les personnes qui partent ah moi les institutions demeurent c'est juste dans cette lancée là on a eu Mamadou Seck on a eu Demba Seck on a eu Ibrahim Kër Mbaye Fall donc en ce moment on a les Malick Sarr on a les Abdou Karim Sall on a les Ablaye Puye on a les Papouye et autres donc nañ ci profito ñu gën leen dolel buñ leen dolelé Mbaw mo ci gagné c'est tout c'est ça waaw et Pape Gueye mo dernier mot waaw sama dernier mot dama leen di juste remercier vraiment sen initiative bi et tribune opportunité bi ngeen ma jox vraiment ma exprimer wu pour wax ne rek la localité doyen vraiment va venir avec un esprit de fair play rassurer len avec un esprit de sportivité d'ailleurs non lañ mësa ñëwé mais des fois aussi il y a quelques provocations yo xamanteni comme doyen compte tenu de sa popularité xam nga des fois riposte mën na am doole et tout mais vraiment on est sage et on est tranquille et on est zen aussi et je pense que Rennes aussi nawetani dinañ ko dund dans la sportivité dans le fair play dans le calme et tout en tout cas ma ngi lancer wat un appel au commandant de la gendarmerie aussi buñu mëne diligenter rek parce que aussi affaire yi mu ngi tirer en longueur gaay yenen gaay ñu ngi préparer sen quart de finale et tout té ñun ba légui mënu ñu football premier match des fois metti na ci joueur yi parce qu'ils s'entraînent tous les jours waye ni tout le temps dañuy ñew tous les jours c'est un peu difficile on a des gens de Kër Mbaye Fall aussi ñom Saliw ñom Boga aussi ils s'entraînent tous les jours donc lolu metti na quoi metti na buñu mëne diligenter rek ñu ñew couvrir ñu nawetani vraiment ñu paré ci une bonne fois pour toutes parce que il y a la coupe du monde qui se profile à l'horizon il y a aussi le championnat qui s'ouvre aujourd'hui même donc ça va être un peu difficile ñu jappalé ñu rek jappalé ñu président zone yi quoi c'est tout len remercier encore papis vraiment liguey bi rafet na di len gëna encourager ñu di len ñaanal aussi yalla def ba ngeen ibi sen télé bop bu am ben envergure nationale bi vraiment rafet na trop li ngeen di def ci liguey bi di len gëna encourager merci président voilà, c'est nous qui vous remercions merci voilà. vraiment ki rafet na trop vraiment voilà ami internet yene ko degando alors ñu dalalon fi président Pape Gueye président Aïssi Ndoyen alors mu ñew de bout en bout lepp li ngeen xamantene won daf lan umpone ci AIC bi ak doxal ni aussi AIC bi alors voilà vision baaw la won muy benen numéro alors ñi ngi ñaan encore une fois présent yi ñu manifester wu mais ñu xam ku nek sa cité lan ngay dundu ala am internet à la prochaine.